step back, let a pro through. I'ma go through every rapper if I have to make it in this bitch. I'm taking every risk, every chance to succeed. I'm trying to be a star, no asterisk. Headphones on, so I'm zoned and gone. Another world's what I'm on. What's a pawn to a king? A rookie to a pro, never stalling, always grinding. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour la FAQ. Bah en fait, je pensais pas du tout avoir autant de questions, mais ça va, j'en ai eu assez. Donc je pense que ça va être une FAQ, elle sera pas très grande, mais ce sera une FAQ. Donc comme vous voyez, je suis pas dans la même salle que d'habitude. Maintenant, je ferai des vidéos dans ma chambre. Ça me représente mieux moi. Parce que avant, je faisais dans la chambre de mes parents, ce qui est pas vraiment génial. Mais maintenant, je vais tout le temps filmer là. Avant, je filmais pas ici. Ma soirée H24, enfin très souvent ici, du coup j'ai pas vraiment, je peux pas vraiment faire mes vidéos, puisque c'est aussi sa chambre, donc voilà, donc maintenant je vais essayer de faire tout le temps mes vidéos ici. Donc c'est parti pour la FAQ, donc il y a eu assez beaucoup de questions, ça va, et je vais aussi reprendre des questions qui m'a été demandées dans d'autres vidéos, que je me souviens, parce que voilà. Donc... une question de Meriem. Donc Meriem et ses animaux. Donc pourquoi es-tu sur YouTube? Bah je suis sur YouTube. En fait, au début, je faisais beaucoup de vidéos, mais toute seule, vous voyez. Du coup, j'étais. Je filmais. Au départ, je jouais à quoi? Je jouais à des poupées. Vous savez, les Monster High. Et bah, je jouais à ça, j'adorais ça. Mais genre. Jusqu'au CM1, je me filmais déjà et tout. Donc après, au CM2, j'ai commencé à faire des vidéos, mais pour YouTube, des vidéos beauté, des vidéos sur mes animaux. Même si je filmais pas, des fois je pouvais filmer, comme je ne pouvais ne pas filmer. Donc j'adorais me filmer. Et du coup, après, en 5e, 5e ou 6e, je sais plus. Non, j'avais 12 ans, donc c'était en 5e. J'ai voulu commencer mes vidéos YouTube. Au début, j'avais pas le droit de montrer ma tête par contre. Mais voilà, j'avais voulu commencer mes vidéos YouTube parce que j'adorais faire des vidéos toute seule. Donc je me suis dit pourquoi pas les partager, partager mes passions, etc. Voilà. Ensuite, toujours de Meriem et ses animaux. Qui est ta youtubeuse préférée? Alors, ma youtubeuse préférée c'est... j'adore APFF Animaux. J'adore Praline et Alicia, celle qui m'a fait découvrir... sur sur les chiens, enfin c'est grâce à elle que j'ai voulu avoir un chien. Ensuite j'adore ça en fait, et après je crois que c'est tout, c'est mes deux préférés après. Voilà. Ensuite, pizza ou frites? C'est compliqué comme question. Non mais parce que j'adore les deux en fait. Bon, je vais dire pizza parce que pizza, voilà. Surtout celles d'Espagne. Elles sont délicieuses. Bref. Voilà. Ensuite, de Miss Animaux. Quel est ton animal préféré? Alors, mon animal préféré, c'est la biche depuis que je suis toute petite. Alors, un jour, je me souviens, j'avais demandé à ma mère si je pouvais avoir une biche. Elle m'avait dit, mais t'es folle et tout. Elle m'avait dit, mais après... ça prend hyper beaucoup de place et tout, ça court de partout, il faut un grand jardin et tout. Elle me disait ça à chaque fois parce qu'elle voulait pas, c'est impossible, tu vois. Dans un si petit jardin et tout, imagine une biche dans ta maison. Et après je dis, et eh ben alors on a qu'à prendre une biche vieille. Je suis trop bête. Et du coup, depuis, à chaque fois qu'on voit les panneaux, vous savez, avec les biches là, et ben on dit, le traversée de biche vieille. Génial. Bref, voilà, donc c'est la biche et j'ai maintenant le Golden Retriever. Et j'adore aussi les cochons d'Inde. Ensuite, quel est ton plat préféré? Alors, j'adore le gazpacho. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, j'ai fait la recette du gazpacho. Donc, je pense que ce sera affiché dans les infos juste ici. Ou ici. Je ne sais même plus. Bref, voilà, donc ce sera affiché dans les infos. Et donc j'adore le gazpacho, mais c'est trop bon. C'est un plat qu'ils font en Espagne et qui c'est vraiment trop bon. En fait c'est une soupe froide à la tomate, c'est trop bon. J'adore ça. Après ça dépend lesquels, il y en a qui sont fades et il y en a d'autres qui sont super bonnes. Bref, aussi j'adore les raviolis au saumon. Et
Et voilà, enfin, c'est mes trucs préférés. Tous les trucs à base de saumon, de jambon serrano, En fait, plein, tous les trucs espagnols, j'adore ça. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est mon origine, mais j'adore tout ce qui est espagnol. Les churros et tout. D'où vient le nom de mon cochon d'Inde. Voilà, donc en gros, voilà. Je vous ferai découvrir d'autres recettes d'ici peu de temps d'ailleurs. Alors, quand feras-tu un blog? Non, je pense qu'elle voulait dire un vlog. Donc, je vais bientôt faire un vlog, je pense. Enfin, j'ai déjà fait un vlog en Espagne, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai fait que le montage de 2 jours et il y a 33 jours à faire. Donc, c'est assez beaucoup quand même. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment beaucoup à faire, mais je vais quand même le poster. Par contre, ce sera dans longtemps, hein, puisque 33 montages à faire, c'est pas très facile. Donc, il sera posté peut-être dans 2 mois encore, même si ce sera plus les vacances, mais ce sera mes vacances en Espagne. Ce sera le vlog, voilà. Ensuite, tu vas faire que des vidéos d'animaux. Bah, comme vous l'avez vu, là, j'ai fait des recettes. J'ai fait des recettes et puis de la gym. Et donc, bah, du coup, là, je pense que bientôt, je vais faire d'autres vidéos, mais qui a rien à voir avec les animaux et tout. Voilà, donc pour répondre à ta question, oui, je vais faire autre chose que les animaux. C'est à vous de mettre tout en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Vous mettez des vidéos même si ça a rien à voir avec les animaux. Je vous dis si j'aime l'idée. Si j'aime l'idée, ok, je vous fais la vidéo. Ça, c'est à vous mettez en commentaire. Hein, c'est pas très compliqué. Vous mettez, imaginons, vous voulez une vidéo challenge. Vous choisissez le challenge. Et bah, je ferai le challenge si ça vous plaît. Avec des amis ou sans amis, voilà. Alors, ensuite, comment as-tu l'idée pour ta chaîne? Donc, en tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont posé des questions, c'est super gentil. Donc, merci à Miss Animaux, Killer 404, Myriam et ses animaux, etc. Et là, donc, c'est à Mama Boob. Donc, comment j'ai eu l'idée pour ma chaîne? Bah, tout simplement, bah, comme je l'ai dit au premier commentaire, bah, je faisais des vidéos toute seule avant, du coup, je me suis dit. Pourquoi pas en poster sur YouTube. Donc voilà. Pour partager mes passions, pour que vous appreniez des trucs, pour vous aider dans votre vie, voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous les répondrai. Sais-tu quand tu as posté ton vlog? Donc lui, c'est encore Killer 404 et Clash 39. Et lui, il le sait que j'ai un vlog. Un vlog à poster parce que il est dedans mon vlog tout simplement car c'est un ami qu'on s'est fait en Espagne donc le vlog comme je l'ai dit comme j'ai déjà dit mon vlog je vais le poster dans assez longtemps car il y a beaucoup de vidéos à faire voilà alors ça, voici mes questions qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube bah déjà je voyais plein de vidéos sur les animaux sur YouTube j'adorais regarder je me disais ça apprend des trucs et tout. Et puis je voyais qu'il y avait beaucoup de trucs que je savais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager ce que je sais avec YouTube, moi-même. Et j'adorais faire ça, j'adore partager mes passions, voilà. Alors, que penses-tu faire quand tu auras 100 abonnés? Bonne chance pour les avoir. Bref, quand j'aurai 100 abonnés, j'avais pensé à faire un Jelly Belly Challenge avec une de mes amies. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Avec cette amie que je vous parle, on va faire une chaîne, on va refaire une deuxième chaîne. Ce sera deux chieuses. Je vous mettrai en barre en lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai le pseudo. Et normalement, mercredi, on aura posté notre première vidéo avec l'amie que je vous parle. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, hein, les vidéos qu'on fera, mais voilà. Donc je vous mettrai tout en lien en barre d'infos. Alors, ensuite, comptes-tu faire un j'ouvre vos snaps? Alors là, c'est une bonne question. Bah, en fait, oui. Et d'ailleurs, celui qui me pose, c'est Sekoro. Donc, oui, j'aimerais bien faire un j'ouvre vos snaps. Mais tout d'abord, il n'y a que 2 abonnés que j'ai sur Snap. Donc, si vous voulez que je fasse un j'ouvre vos snaps, il faudra me demander sur Snap, etc. Ce serait beaucoup plus pratique.
Parce que sinon je peux pas faire un jeu au Snap avec deux abonnés sur Snap. Voilà. Ensuite, vas-tu faire le Whisper Challenge? Parce que je sais que pour le Jelly Belly c'est prévu. Alors, oui, je vais faire un Whisper Challenge dans très peu de temps et avec une amie qui n'est pas encore passée sur ma chaîne et c'est pas celle que je vous parle pour mercredi. C'est une amie, normalement on va la faire avec ou peut-être avec ma soeur, on verra. Donc oui, je pense faire un Whisper Challenge. Je pense que ce serait une bonne idée et ce serait assez drôle, voilà. Donc si ça te plaît, c'est Koro, ok, je ferai une vidéo Whisper Challenge. Donc voilà, hein, proposez-moi toutes vos idées en commentaire de vidéo. J'y fais, hein, si ça me plaît, j'y fais. Hein. Voilà. Donc voilà mes questions. J'espère que mes questions sont bien et intéressantes, surtout. Bonne vidéo. Bah, merci. Merci, c'est Koro. Hein. Une autre question de Killer et Clash 39. Oh là là, il est super dur à dire ton pseudo par contre. Alors, je peux me faire de la pub pour ma chaîne? Bah oui, pas de problème. Donc allez voir la pub de Killer 404 et Clash 39. Je vous mettrai comment c'est, enfin ici le lien de sa chaîne et je vous mettrai en barre d'infos aussi si vous voulez. Et donc voilà, allez voir sa chaîne. Il a déjà fait une vidéo Jelly Belly Challenge, si je me souviens bien, avec un ami. Donc allez voir sa chaîne, elle a l'air super bien. Par contre, voilà. Il va falloir cliquer juste ici si vous voulez voir sa chaîne, vous abonner, et voilà. Ok. Ensuite, dans une autre vidéo, on m'avait demandé quel était comment je m'appelais et quel âge j'avais. Donc je m'appelle Célia et j'ai 14 ans. Et je suis d'ailleurs en troisième pour l'instant. Quand vous regardez la vidéo. Parce que si vous regardez la vidéo un an après cette vidéo, j'ai plus 14 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir les pouces bleus. Et bah, un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous. Bisous et à bientôt. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything.